Bonjour à tous, ici on se retrouve sur VLC. Donc un petit truc sympa qu'il y a sur VLC, que j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Pour couper une vidéo. Vous voyez, quand vous avez une vidéo qui vous intéresse, par exemple sur YouTube, sur Facebook ou des trucs comme ça, vous l'enregistrez. Et bien sûr, le début vous intéresse pas, la fin vous intéresse pas, il y a une partie qui vous intéresse. Donc vous voulez bien l'enregistrer et la garder. Donc je vais aller chercher ici dans Média. Je vais ouvrir un fichier. Hop. Et je vais prendre par exemple cette vidéo-ci. Voilà. On va laisser passer un peu. Je mets sur pause. Donc je veux que ma vidéo commence à partir d'ici. Par défaut, hop. Voilà, c'est comme ça ici. Hein. Donc on va aller sur vue. Contrôle avancé. Et ici, on voit, on a un bouton enregistrer. Donc, pour enregistrer la vidéo, qui est ici, ou alors faire une capture d'écran. Tiens, on va faire, hop, de suite. Je vais aller la récupérer dans mon dossier image, qui est ici. Voilà. Je vais l'ouvrir, tiens, hop, directement. Voilà. Voilà ma capture d'image. Donc, je ne vais pas la garder, je vais la supprimer direct. OK. Ensuite, ici, hop, je vais l'activer. Boucler entre les points A et B en continu. Je pense que c'est du. On enregistre une vidéo, elle se lit, et puis arrive à la fin, puis hop, ça reprend, et voilà, ainsi de suite. Et ici, c'est avance par image. Ok. Nous, ce qui nous intéresse, eh ben, justement, c'est enregistrer cette vidéo. Je vais cliquer ici sur enregistrer. Voilà. On voit pas beaucoup la différence, à part qu'elle est. Hop, vous voyez, hop. Là, les points rouges sur un fond blanc. Si on clique dessus, c'est sur un fond bleu assez clair. Pas pratique à voir ça par contre. Et là, je lance ma lecture. Et puis, j'enregistre ma vidéo. Bon, l'inconvénient, faut laisser la vidéo jusqu'au bout. Jusqu'au moment où vous voulez la couper. Hein, on va attendre un tout petit peu. Voilà, il met les œufs, la crème. Bordel, voilà. Voilà, donc 34 secondes, on va arrêter là. On peut mettre sur pause, hein, si on a autre chose à faire, et puis on continue à faire autre chose, et puis on peut revenir dessus. Vous faites ça tant que vous allez manger, trucs comme ça, bon, en sachant que bien sûr, à la fin, si vous avez des trucs à enlever, bon, faut rester devant. Voilà, c'est un peu l'inconvénient. Bon, enfin, c'est comme ça. Bon, moi, je vais dire que ma vidéo, je vais dire, bon, hop, elle est finie. Le reste ici, j'en veux pas. OK. Du coup, mon enregistrement ici, toujours en route, hein, je clique dessus pour la couper. Donc, ceci étant fait, hop, je vais ouvrir la vidéo qui a été faite. Et voilà. Vous voyez, ici 30 secondes, hein, c'est le temps que j'avais mis sur VLC. Oh non, 37, bah oui, parce que là, il y a une coupure, forcément. Donc, vous voyez, l'enregistrement est impeccable. Et puis, on n'a pas des débuts de vidéo qui nous servent à rien. Voilà. Ça, je peux couper et je peux revenir dessus ici. Donc voilà, bon, il n'y a pas grand-chose à dire hein, dessus. Bon, il y a d'autres trucs à faire avec VLC. Voilà. Tiens, en parlant de VLC, je vais aller ça. Pour ceux qui n'ont pas VLC, on va aller le récupérer.
VLC. Voilà. Voilà. Donc ici, hein, il est totalement gratuit hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc vous allez ici télécharger et puis vous l'installez. Il n'y a rien de plus compliqué. Voilà. Ok. Ben, c'est tout ce que j'ai à dire dessus. Je cherche, mais oui. À part, c'est sûr que VLC, on nous a pas mal d'outils. Sur les vues ici, interface minimale, plein d'écran, barre d'état. Voilà. Ici. Hop. Ajouter une interface, console, patati patata. Bon, je vais chercher un peu sur tout ça pour voir vous faire des vidéos dessus. Hein, donc avancer, reculer. Voilà. Et vous avez à enregistrer ici aussi. Ok. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.